Salut, salut, bonsoir, bonsoir. C'est Congo News 24. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission sur notre beau pays, la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, avant de commencer, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Comme le titre le dit, le président Félix Tshisekedi va déboulonner le système dictatorial de Kabila. Et comment il va le faire? Premièrement, comme vous voyez dans cette photo, tous ces gens qui pèsent clairement des allégations et sanctions internationales pour violation grave des droits humains en RDC ne seront jamais élus comme ministres dans le nouveau gouvernement. Bandeko, le loto koloba, ndenge nini peuple a telemi, pe ndenge nini ONG oyo, obozo mwana bazo pesa memo na bomba président de la République na journée mondiale ya presse, ba luba ki na chef de l'État, ete batu o nyoso, ba sala ki mbeba na RDC, o nyoso ba zana sanction ya Union européenne pe américaine, ba koki jamais kojwa poste na nouveau gouvernement. Bato basala kimbeba ko sakana nango te bandeko. Yango ONG oyo ba pese ki lettre na bango pa président de la République, ils ont demandé au président de réouvrir les enquêtes sur le meurtre des journalistes congolais. Alors bango ba singe se ba ouvrir enquête Nandenge ba buma ki ba journaliste. Mpe ba sengi na président de la République. Do peuple pe a sengi. Ete banda lelo. Donc à partir de maintenant, tant nouveau gouvernement ko salama, batu nyonso ba koza la jamais na nouveau gouvernement. Ezo occasion yako déboulonner système dictatorial ya Kabila. Alors, bande ko bozo mo na photo wana, tolwa ki na be mission passée. Était Kabila et son régime, ils ont détruit tout un village. Les populations du village de Bombero ont été expulsées de leur maison et leur champ le 30 janvier 2016. Ce jour-là, les habitants de Bombero ont vu leur maison et leur village détruits par les éléments de la garde républicaine de Kabila et la police de Kabila. Donc, ba yepena Kabila tinda ba ministre de l'intérieur, ozo mona ba ministre wana de l'intérieur, au soi-disant son dauphin, mpe bochap, ba tuana nyonso ba travail ki na ministère de l'intérieur, et puis ba permettre ete village wana ezala détruit. Donc, ba détruire village wana, et puis 227 familles, ba lala kilibana. Bazaina plasti. Jusqu'à 2019, l'arrivée du président Félix Tshisekedi, que Batouana va récupérer Mboka na bango. Ezaki détruit par Kabila. Komona motema mabe ya boye, komona motema makasi ya boye, ko détruit village Mbimba, pe hôpital pe ezaki détruit. Alors, comment le président de la République peut déboulonner le système dictatorial? Donc, Batouana Nyonso, Oyo Bazaki na ancien gouvernement, ya Tshibala, ba koki jamais kojwa poste na nouveau gouvernement. Et puis, ba rouverture de l'enquête, donc ba ouvrir enquête, na Batou Nyonso ba boma ki ba journaliste, na Batou Nyonso ba koni ba mbeba na RDC, et te baza la poursuivi na état de droit. Yango le lot est informé binon été ndeboso mwana photo wana jour ya oyezaki journée de la presse ONG wana pa pesa ki memo na président de la République ndeboso mwana wana et puis peuple le susu a sengi été batu wana nyonso ba koza la jamais na nouveau gouvernement. A vous de commenter bandeko na ndenge mbeba oyo komona jusqu'à ko détruire tout un village par Kabila. Et puis peuple wana telemaki.
et puis ba memo et pesami. Alors à vous de commenter ndenge nini bato ba kontwa jamais poste na nouveau gouvernement. Alors président Félix a continué musala na ye, a nommé ba ministre na ye, et puis tant ba konomé bango et puis ba jala bato to akala o ba konti o bazana mbeba sanctions européennes pe américaines. Nde bozo mona wana bato nyonso bazana ba sanctions européennes pe américaines ba koki jamais ko jo poste na nouveau gouvernement. Et puis bato wana il faut ba landela bango ba kanga bango bazala traduit en justice. À vous de commenter sur réouverture enquête oyezo landa ke bato wana nyonso ba kanga bango. À vous de commenter. Au revoir, à la prochaine.